légitimer la colère de Tibouga. Parce que le cas où il y a un 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 cas où un radar en flammes dans la commune du Lamentin, encore un symbole de la vie chère dégradée, des affrontements avec les forces de l'ordre après une nouvelle journée de chaos. Il est 16h hier quand plus de 50 manifestants envahissent le tarmac de Fort-de-France. Aéroport fermé, trois vols de plus de 1000 passagers se retrouvent déroutés vers la Guadeloupe. Pour la préfecture de la Martinique, une fausse information est à l'origine de ce mouvement. Des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux cet après-midi, selon lesquelles 300 ou 350 CRS devaient arriver en Martinique par avion. Cette information totalement fausse est à l'origine de regroupements et de l'envahissement de la piste de l'aéroport. Plus de 400 véhicules incendiés, des grandes surfaces totalement détruites, 26 blessés chez les policiers et gendarmes. Le regain de tension depuis lundi a poussé le préfet à décréter un couvre-feu et interdire les manifestations sur l'ensemble du territoire, des mesures d'urgence face à la détermination des protestataires. On a toujours revendiqué pacifiquement. On est en légitime défense, on se fait frapper depuis le début. On se fait gazer depuis le début, on ne dit rien. Vous parlez de ça? Non, vous n'avez pas de réponse à donner, vous n'avez rien à dire.